Donc moi, ce que j'aime dans l'équitation western, c'est la complicité qu'on peut avoir avec son cheval. Il y a plein de disciplines différentes. Chacun peut trouver celle qui lui convient. Chacun peut trouver son bonheur, que ça soit pour des épreuves de vitesse ou pour des épreuves de dressage. Alors l'équitation western, c'est un peu jouer au cow-boy avec la complicité de mon cheval. L'équitation western, c'est avant tout de la finesse et une grande complicité avec son cheval. On n'est pas obligé d'avoir un carter horse, on peut aussi monter un Shetland ou un double poney. Pour moi, l'équitation western, c'est un univers qui est très soudé. L'équitation western, c'est penser et parler cheval. L'origine de l'équitation western, c'est les États-Unis. Le travail du ranch, convoyer du bétail, le travail quotidien des cowboys. De cette équitation de travail est née une équitation de loisir. Et aujourd'hui, elle est pratiquée comme une compétition. Une compétition dans laquelle il y a plusieurs disciplines. La discipline la plus connue aujourd'hui, c'est le reining, puisque le reining est maintenant intégré aux Jeux équestres mondiaux. Alors, on va faire une découverte aujourd'hui du reining. Donc le reining, en fait, c'est dérivé du travail toujours du ranch. Par exemple, quand il fallait, pour séparer une vache d'un troupeau, galoper, repartir en l'autre sens si la vache repartait en l'autre sens. Donc là, on galope, on s'arrête et on repart dans l'autre sens. Ça s'appelle un rollback, d'accord? Le reining consiste à exécuter des enchaînements de figures visant à mettre en valeur la finesse du dressage, la maniabilité et l'attitude du cheval. L'épreuve se déroule au galop sur un parcours imposé qui permet de juger l'équilibre, la souplesse, le calme, la disponibilité et le caractère volontaire du cheval. Chaque parcours appelé pattern comprend un enchaînement de figures, comme par exemple des petits et des grands cercles avec différentes vitesses, des changements de pied, tout écart de la part du cheval, toute résistance apparente non voulue par le cavalier sont pénalisés plus ou moins sévèrement selon le degré de gravité. Le reining demande donc au cavalier une bonne maîtrise de son cheval et une parfaite situation dans l'espace. Avance tes mains par contre, parce que là tu vois, tu me fais un cercle. Avance bien tes mains. Plus que ça, faut que tes rênes soient flottantes. Tu vas voir qu'au niveau de son encolure, tu vas diriger ton cheval. Ok, d'accord. La pratique du reining offre pour le cavalier un intérêt qui lui permet de monter un cheval en semi-liberté, c'est-à-dire que le cheval, il est juste contrôlé entre les rênes et les jambes. Continue, rallonge un peu tes rênes encore. Super, mets bien tes mains en avant, ça c'est très bien. Et tu vois là, ton cheval, progressivement, il se met à mettre sa tête un peu plus basse. Ça permet d'avoir un cheval qui est complice, qui attend les ordres et qui effectue strictement ce que lui demande le cavalier. Le reining, c'est l'aboutissement de l'équitation western dans son émotion et sa sensation. Outre le reining, l'équitation western est riche de nombreuses disciplines qui permettent de développer différentes qualités, tant chez le cavalier que chez le cheval. Comme ici, avec une séance d'initiation au trail. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le trail? C'est un peu du trail version western. D'accord, donc dans ta réponse, en fait, il y a de l'idée. Mais si tu veux, c'est le trail, en fait, qui est à l'origine du trek. Cette discipline, c'est pour montrer un petit peu la disponibilité de votre cheval. Par exemple, on a une épreuve là, ça s'appelle le passage de la barrière, d'accord? Le cow-boy, quand il était à cheval, il fallait qu'il puisse passer la barrière de son ranch pour partir après dans les herbages, etc. Ok, ah, t'as vu, là, il avance déjà. Donc rien que ça, si tu veux, en termes d'éducation, de précision, c'est pareil en équitation western, on fait vraiment attention à ça. C'est-à-dire que votre cheval, il est arrêté, bon, vous indiquez parce que vous voulez, nous c'est un oh quand on les arrête. Mais ce qui est important en fait, c'est pas de s'arrêter, c'est de rester arrêté. Très bien, oh. Ok, tu regardes où t'en es, les hanches sont pas mal placées, ils devraient pas... Le trail, c'est de la maniabilité. Le cavalier et son cheval sont confrontés à des difficultés naturelles et doivent les franchir avec aisance, assez rapidement, sans pour autant prendre de risques. Donc le reculer, on peut le faire en ligne droite ou en L. Ici, on a choisi de le faire en L. Les obstacles du parcours sont disposés de telle façon que c'est sur son obéissance et sa bonne volonté à affronter les difficultés du parcours que le cheval sera jugé. N'hésite pas, parle-lui ton cheval. Comme je t'ai expliqué, c'est qu'il y a 3 indications. Oh, oh, oh. Vas-y, mets ta jambe, voilà. Et recule. Très bien. Donc, n'hésite pas, tu as les jambes, tu as les mains, mais tu as aussi la voix. D'accord? Cette épreuve permet de juger le calme et l'aisance du cheval sur des obstacles de toute nature, ainsi que sa promptitude à obéir aux ordres du cavalier. Elle montre les qualités qu'un cheval d'extérieur doit posséder et permet de développer l'autonomie et le contrôle.
Donc on est sur la partie qui s'appelle les perches, d'accord, ou les barres au sol. Donc l'objectif de cet exercice, c'est que votre cheval passe les barres sans les toucher, sans les bouger, ni les tutoyer, qu'on entende un petit gling, d'accord, au niveau des barres. Ok, t'as vu les trois premières, c'était bien, la dernière, il a touchoté un petit peu. C'est parce qu'en fait, le fait d'avoir les barres au sol aussi, il a tendance un petit peu à rétrograder, tu vois, il se retient un petit peu. Donc du coup, là, faut pas hésiter à mettre un petit peu plus de jambes. Les obstacles qui sont matérialisés au sol peuvent reproduire tous les obstacles que l'on peut retrouver en extérieur. Donc à partir de cela, un bon cheval de trail fait un bon cheval d'extérieur. L'initiation à l'équitation western peut être pratiquée avec tous les cavaliers et une discipline s'adresse particulièrement aux jeunes, le showmanship. Le showmanship est une épreuve à pied qui permet de présenter son cheval en toute sécurité. L'équitation western valorise la complicité du cheval cavalier et plus particulièrement dans le showmanship. Le showmanship est une épreuve de présentation en main des chevaux. À l'origine, il s'agissait de montrer que l'on savait mettre en valeur un cheval en vue de sa vente. Le showmanship compétition est aujourd'hui réservé aux catégories youth, les jeunes, et aussi aux amateurs. Ce qui est vraiment important, c'est que ça sert vraiment à la sécurité. Parce que quand vous allez chercher votre poney ou votre cheval au pré, etc., il faut que tout simplement il vous respecte. Mais on peut le faire avec n'importe quel chevaux. Oui, tout à fait. Et c'est surtout important de le faire avec tous les chevaux, en fait. Dès que vous avez un cheval en longe, pour votre sécurité, c'est vraiment important que votre cheval vous respecte, en fait. Présenté en licol, il faut effectuer avec le cheval un petit parcours avec du pas, du trot, sur lesquels peuvent être demandés un reculé, un pivot, une mise au carré et une inspection du cheval. Le parcours change à chaque épreuve. Il est à la discrétion du juge et les concurrents en prennent connaissance le jour de l'épreuve. Allez, vas-y. Et mais écarte un peu plus ta main, voilà, que vous fassiez vraiment deux lignes parallèles, l'un comme l'autre, qu'il ne soit pas à moitié collé derrière toi. Regarde bien droit devant toi, toi tu es fier de montrer un beau cheval, d'accord? Et vas-y, voilà, ça c'est un beau départ, très bien. Vous voyez, c'est un exercice qui est facile à mettre en place en club, qui en même temps ne demande pas un gros dispositif, qui intéresse rapidement beaucoup les enfants, ils ont envie de bien faire. Et en même temps, bah, c'est vrai que les poneys ou la cavalerie en général, ça les oblige aussi à respecter en main, à bien trotter en main. Ça sert aussi votre sécurité lors des manipulations des poneys par les enfants. Je passe l'épaule. Ok, très bien, voilà. Je repasse par là. Oui. Et là, je repasse l'épaule, tu te remets de l'autre côté, ok? Autre discipline ludique de l'équitation western, le barrel race. Épreuve de vitesse jugée au temps. Elle s'effectue sur un parcours en trèfle, autour de trois tonneaux, placés en triangle, et demande de la part du cheval vitesse, aisance et maniabilité. Le barrel race, en fait, c'est une épreuve de vitesse. Il faut faire un trèfle, donc d'accord, vous avez trois bidons. Ce qui est important, c'est... En fait, si vous voulez, c'est d'arriver comme ça et après de s'enrouler autour du bidon. Allez, vas-y, régulièrement, voilà, trotte bien. Voilà, regarde déjà ton autre bidon. Voilà, très bien. Allez, le prochain. Pratiquer barrel race vous apporte la dextérité, la vitesse, l'émotion, la sensation et un petit peu d'adrénaline. Vous êtes prêts? On va essayer de faire une petite compète. Maintenant, attention, c'est le chrono hein, qui va fonctionner. Top, c'est parti! Top, 24 secondes! Autre discipline de l'équitation western facile à mettre en place, l'épreuve du tri de bétail, qui elle aussi vient du travail des cow-boys. Évidemment, en club, le bétail est remplacé par des poneys. Laura Duponchel est l'une de nos meilleures cavalières de reining, une jeune championne multiple médaillée pour qui la passion de l'équitation western a commencé très tôt. Ma passion d'équitation western est venue tout simplement en regardant mon père tous les jours monter à cheval. J'étais baignée dedans étant petite. J'avais des doubles poneys à disposition, je me suis entraînée, je montais, je faisais des balades, tout ça. Et puis bah, vers l'âge de 12 ans, je me suis dit tiens, la compète, ça va peut-être être pas mal. Et puis voilà, j'ai commencé petit à petit et voilà. Si
c'est une forme d'équitation qui s'adresse à tout le monde. C'est vrai qu'elle peut sembler très séduisante avec l'équipement qui est original et qui fait appel un peu à l'imaginaire des cow-boys et de tout ce à quoi on peut rêver quand on est enfant. Et par ailleurs, c'est une équitation qui est aussi très sécurisante parce qu'on a un matériel en sellerie notamment, en selle creuse, des chevaux qui sont très bien éduqués souvent, ce qui correspond tout à fait à une cavalerie de club idéale. Si vous souhaitez mettre en place une activité western dans votre club, voici quelques conseils. Si le quarter horse, la palooza ou le paint horse sont les montures de prédilection de l'équitation western, elle peut être pratiquée en club et en équitation de loisirs avec tout équidé, y compris des Shetland et des doubles poneys. L'aptitude des races sera recherchée au passage à la compétition. L'approche de l'équitation western peut être effectuée avec un équipement traditionnel. En revanche, la pratique de l'équitation western nécessite un matériel particulier. On utilise le plus souvent, quand le cheval est déjà dressé, un mors de bride simple, à branches plus ou moins longues. La selle western est une selle creuse. Elle est équipée d'un pommeau. Elle permet un confort au cheval et au cavalier. Bien souvent, on utilise un tapis ou un pad épais pour le confort du cheval. La Fédération française d'équitation met à disposition de tous sur FFE.com la rubrique Discipline équestre. Vous y trouverez toutes les informations, les documents, les règlements et la présentation des guides fédéraux au fur et à mesure de leur parution. Pour les enseignants qui souhaitent approfondir leurs compétences, il existe de nombreuses solutions, soit au niveau national au travers des formations proposées par la Fédération française d'équitation, soit dans le cadre des stages organisés par les comités régionaux d'équitation. Certaines de ces formations permettent d'aboutir au brevet fédéral d'entraîneur. Vous trouverez toutes les informations sur le site de votre comité régional et dans l'espace enseignant formation continue du site internet de la FFE. C'est le rêve.